Que vous êtes inquiet. Je suis pas du RPG, je suis du parti groupe, mais allié du RPG. D'accord. Ouais. Et donc, allié de première. Voilà. Est-ce que vous êtes inquiet, justement, qu'il puisse y avoir, entre guillemets, ils ont dit pas de chasse aux sorcières, mais qu'il puisse y avoir une discrimination pour ceux qui ont travaillé? Non. Justement, je crois que dans ce que j'ai dit, et dans ce que j'ai reçu dans le sondage, il a parlé d'une transition apaisée, inclusive, sans exclusion aucune. Alors pourquoi je vais me faire plaisir? Vous pensez qu'il va travailler avec le RPG, ses alliés? Il travaillera avec tous les Guinéens. Tous les Guinéens, sans exclusion. Est-ce que vous êtes satisfait? Je tire ce mot de... Vous êtes satisfait? De. Bah, de ce qui s'est passé, de cette rencontre. De ce contact? Oui. Ben, on a écouté et on nous a demandé de faire des choses. En tant que politique, nous attendons de nous retourner vers la base, recueillir le sentiment de la base et faire des propositions concrètes allant dans le sens de ceux qui veulent poser comme acte. Et je pense que ceux qui veulent poser comme acte, c'est un acte nord. Non. Voilà. Est-ce que vous avez... comment vous l'avez trouvé lui-même? Est-ce que vous l'avez trouvé conquérant? Vous l'avez trouvé... Comment vous l'avez trouvé? Vos impressions. À travers les actes qui ont été déjà posés, à travers le discours qu'il a déjà tenu en tant que ministre, tant on l'a rencontré, et en tant qu'homme politique aujourd'hui, je pense que ce n'est pas des gens qui sont en train de piloter à vue. C'est extrêmement important. Et on sent qu'ils ont un esprit. Vous êtes rassuré pour l'avenir? Bon, rassuré pour l'avenir, c'est trop tôt, mais les actes posés sont à saluer. Et le destin d'Alpha Condé? Le destin d'Alpha Condé, ça, je crois qu'eux-mêmes, ils se sont engagés. Ce qui nous inquiète aujourd'hui, c'est la préservation de son intégrité physique. Ils se sont engagés à le faire. Et tout à l'heure, il y a vos confrères qui vous posaient la question, est-ce qu'on doit le libérer? J'ai dit oui, ils me disent pourquoi. J'ai dit, la liberté est la règle, la prison est l'exception. Mais est-ce que vous pensez qu'il doit être jugé, peut-être d'ailleurs pour être réhabilité de votre point de vue peut-être? Bon, ça, j'aurais posé, j'aurais parlé trop tôt. Je pense, comme je vous le dis, laissons le temps faire leur chemin. Nous suivons le temps qu'elle nous permette et tout se clarifiera. Et vous avez pu vous exprimer en tant qu'allié du RPG? Vous avez eu la parole? Non, je n'ai pas demandé la parole parce que moi je suis venu pour écouter. Donc, je ne voulais pas. Je ne voulais pas anticiper. Mais maintenant, on aura le temps de faire le C'est aujourd'hui, quel est votre attente vis-à-vis du CNRI?